Salut les amis et bienvenue dans ce numéro spécial Noël du collectionneur. Décembre étant traditionnellement le mois des cadeaux, je vous ai préparé deux petits sujets. Le premier sur l'épisode 3 de la BD asiatique de Biohazard 2 et également un sujet sur la présentation du guide bible de Biohazard Outbreak File 2. Je vous laisse donc sans plus tarder découvrir tout ça, entrecoupé d'une bande-annonce de Resident Evil 4. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle année qui sera, je l'espère, très riche en goodies. Merci à tous pour vos encouragements et votre fidélité. Joyeuses fêtes! Thank you.
My name's Claire. What's yours? Years have passed since that horrendous incident. It was right before I was to take on my duties of protecting the president's daughter that she was abducted. Who would have thought that my first job would have been a rescue mission? Order to rescue you. What? My father? On the other side of the bridge. Yeah. Time is almost up. Take out anything that might interfere with our plans. Maldito sea mierda! Resident Evil 4. La première chose qui frappe lorsque vous déballez votre guide de Bible de Biohazard Outbreak 2, c'est le couplage des deux guides dans un seul et même étui de couverture. Une façon de faire complètement inhabituelle pour un guide Famitsu Hunter Brain. Le gros du pavé est consacré au guide de stratégie en lui-même. Quant au guide supplément, il se contentera de vous recenser toute la cartographie des niveaux des stages de Biohazard Outbreak 2. Un extra bien pensé, mais trop peu parlant pour nous autres Européens, puisque toute la localisation des items est décrite dans un japonais volumineux. Revenons donc à ce qui nous intéresse surtout, le guide de stratégie en lui-même. Découpé en 5 parties principales et une partie annexe pour les croquis de production, le guide vous fera parcourir avec bonheur le système d'analyse du jeu, toutes les recommandations essentielles pour réussir à survivre à l'horreur, un chapitre dédié au jeu en réseau, les scénarii bonus et toutes les données traditionnelles livrées dans les moindres détails pour les objets et les documents mis à disposition dans le jeu. La partie annexe à la fin du guide vous fera découvrir avec une joie certaine les croquis des dessinateurs chevronnés de Capcom, comme Kevin et Mark, George, David et Cindy, pour terminer, Alissa, Jim et Yoko. Les créatures ne sont pas en reste et l'on vous propose de découvrir Oscar, l'éléphant zombie, Stalker, le roi lion du zoo de Raccoon City, le zombie plante, certainement l'ancien herboriste de l'hôpital, The Axeman, le concurrent le plus sérieux à Jason Voorhees ces deux dernières années, le tyran et le tyran régénéré, ou plus exactement René,
Nyx. Le liqueur traditionnel. Et enfin le Hunter du labo Umbrella. Avec toutes ces gâteries, vous l'aurez compris, plus qu'un grand guide, Famitsu Hunter Brain nous a gratifié de la plus grande bible sur Biohazard Outbreak 2. À posséder absolument.